le chemin parcouru à bon, selon moi, parce que nous avons tenu notre dernière séance à Cotonou, ça fait 6 mois. Nous avons fait des recommandations et ces recommandations ont été exécutées partiellement. Et il reste un seul point sur lequel je ne suis pas satisfait, et c'est le dépôt repartiteur de Debout qui devait être opérationnel. Et aujourd'hui, on devait évaluer qu'il n'a pas été opérationnel. Mais je pense que bientôt, après la visite du terrain, ce serait opérationnel. Mais ce qui est satisfaisant, c'est que le financement basé sur le résultat, et nous prenons souvent des décisions courageuses. C'est ce qui fait la particularité des autres financements basés sur le résultat. Ici, le comité de pilotage est souverain. Et quand nous prenons une décision, nous ne reculons pas. On prend la sanction, le président exécute et on continue. Ce n'est pas comme ailleurs, on dit les syndicalistes se soulèvent, il faut revenir en arrière. Non, on a pris des sanctions. Et pour un agent, l'agent est obligé, l'État est obligé à reculer devant nous, qui ne voulait pas déplacer l'argent là. Et finalement, on a décidé, ils ont déplacé. Deuxième point, on vient de prendre une sanction à l'endroit de la zone, l'hôpital de zone de Comin et l'hôpital de zone de Aplaroué. Bon, Aplaroué a appliqué parce que nous avons renversé la tendance, mais Comin est en train de s'opposer à notre décision. Je pense que c'est moi qui ai mon argent et je vais acheter chez toi. Tu n'as pas de chantage à me faire. Soit tu obéis aux règles de l'achat, soit tu quittes le système, on te dit au revoir. Voilà ce que j'ai à dire sur le peu de temps que nous venons de passer dans les 6 mois.